Wow. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyan Sribon. Aujourd'hui, nous parlerons de la musique en général et des nouvelles choses pas du tout jolies qui apparaissent aujourd'hui dans notre musique. Si vous écoutez la musique, c'est bien. Mais sachez que comme vous, le diable s'intéresse beaucoup à la musique et il veut vous amener à l'adorer. Parce que si vous ne savez pas, quelle que soit la musique que vous écoutez ou encore que vous chantez, vous êtes directement en train d'adorer un Dieu. Soit c'est l'éternel Dieu Tout-Puissant, ou bien c'est le diable lui-même, l'œil du diable. Où est-il? Il est ici. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement l'œil de Lucifer. Et cet œil-là est répandu. On le voit pratiquement partout aujourd'hui. Dans tous les clips, on voit cet œil. Mais qu'est-il réellement? Nous allons tout vous dire. Nous allons tout vous dire ici, mes frères et sœurs. Dans cette vidéo, vous découvrirez, nous allons découvrir des choses hors du commun. Et vous allez voir ce qui se passe réellement dans les clips d'aujourd'hui et pourquoi certaines choses apparaissent la plupart du temps dans nos clips. Là, vous serez surpris. Qu'est-ce qui nous a amené à ce niveau, nous allons vous dire. Tout à l'heure, nous étions en train de travailler et nous réfléchissions sur qu'est-ce que nous allons vous proposer comme la prochaine vidéo. C'est pas facile de faire sortir une vidéo, mes frères et sœurs, c'est pas du tout facile, notre travail est dur. C'est pourquoi pour nous soutenir, abonnez-vous et cliquez toujours sur les chaînes, c'est important. Toutes les chaînes YouTube où vous voyez les gens travailler, c'est pas du tout, c'est du travail, c'est un travail vraiment dur, c'est pas facile. Mais Dieu va nous est là pour nous aider ici. Donc, comme on vous le dit, on vient de vous le dire, nous travaillons dur et nous cherchons ce que nous allons vous proposer. Quand nous avons vu un nouveau clip. Et la personne qui chante dans ce clip-là, nous avons vu comment cette personne a commencé. C'est-à-dire dans ses débuts, comment elle a commencé à chanter, où les choses sont parties. On l'a tout vu. Maintenant, moi qui ai tout vu de cette personne, qui connais bien cette personne, aujourd'hui, je regarde son nouveau clip et je découvre quelque chose d'assez étrange. En fait, je découvre que ce dernier-là a changé carrément de gamme. Il n'est plus la même personne. Maintenant, quand il chante dans ses clips, oh là 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 là, on voit une masse, c'est-à-dire une masse une pléthorique de signes sataniques. C'est-à-dire, quand tu regardes le clip, tu vois ce qui est derrière moi. Un œil. Est-ce que tu vois bien? Bon, tu vas voir ça tout de suite. Ne t'inquiète pas. Nous allons vous présenter les images. Et tout ce qui se passe concrètement dans les nouveaux clips. Ou encore dans tous les clips que vous voyez. Même si c'est chrétien que vous voyez ça, faites attention. Dans la vidéo précédente, nous avons parlé de la musique chrétienne satanique. C'est pour vous dire que ce n'est pas du jeu. Et le diable ne va même pas jouer avec une musique qui n'est même pas chrétienne. S'il arrive à entrer dans la musique chrétienne pour démolir les choses. C'est pas de la musique profane, ne va pas entrer. Et ici, c'est la musique en général. Mes frères et sœurs, ça va être chaud. Quand j'ai regardé ce gars et que j'ai vu son clip, mes frères et sœurs, pour bien comprendre le clip, ou encore ce qu'il veut dire, ou encore ce qu'il transmet comme message, il faut couper le son. C'est-à-dire qu'il ne faut pas entendre la mélodie ni les paroles. Tu coupes le son et tu regardes les images défiler. Si tu es un gars qui connaît déjà les signes sataniques, tu sauras qu'il y a quelque chose qui se passe et il y a un message qui est en train de donner. Quand son clip a commencé, on a vu un œil comme nous venons de vous montrer, comme ça, et il y avait du feu, des flammes. Et lui, il faisait des signes avec ses doigts, on l'appelle la main cornue. Nous allons vous montrer ces images aussi, ne vous inquiétez pas. Et quand il montrait ces signes-là, il dansait en même temps et il chantait. Au fur et à mesure qu'il faisait ça, il faisait encore le 666 avec la main, avec ses mains. Ça fait combien de signes? Ça fait combien de signes? Bon, premier signe, on dit la famille, il a montré ce signe qui est vraiment un œil comme ça. Deuxième signe, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait tout simplement. Deuxième signe, déjà, mais qui apparaît, c'est le feu. La flamme de feu, c'est-à-dire il y avait le feu. Et il y avait ce signe-là, juste là derrière, comme ça. Vous voyez?
C'est comme vous êtes là devant, vous chantez, il y a le feu, il y a les flammes. Avec derrière là, c'est un œil gros comme cet œil qui est là, là. C'est exactement ça. Et donc, ça veut dire que le premier œil là, l'œil qu'on voit là, c'est le premier signe. Le deuxième signe, ce sont le feu. Le feu là, ça c'est représenté quoi? Les flammes de l'enfer. Carrément ça. Et puis, de toute façon, nous allons vous montrer. Et puis, on voit un troisième signe qui est tout simplement la main cornue, comme on vous le dit. Ça fait quoi? Un troisième signe, ça fait trois signes déjà. En plus, il fait le signe de 666 avec les doigts. Ça fait combien de signes? Ça fait quatre signes. Et ça, ce sont les signes. Des signes qui montrent que ce gars que nous on connaissait, qui chantait dès le départ, qui était simple, il n'est plus de la même dimension. Il est entré dans le satanisme. Et maintenant, il ne peut plus chanter ou ni faire des clips sans symbole occulte. Ce qui veut dire que quand vous allez écouter ces musiques-là, ou regarder ces clips, préparez-vous à accueillir tous les symboles occultes de malédiction. Parce que derrière un symbole occulte comme ça, là, comme vous voyez un œil comme ça, là, il y a un sort qui est lancé. Il y a un message qui est donné, qu'ils appellent même des messages subliminaux. Ce qu'on appelle des messages cachés. Et vous devez comprendre que ces clips d'aujourd'hui, même ces musiques qui sortent, véhiculent la plupart du temps trois messages. Trois messages principaux. Le premier, c'est l'incitation au sexe. C'est-à-dire, on parle de sexe. On t'incite à avoir du sexe, à faire du sexe, de la nourriture, à aimer le sexe. Voilà. Et le deuxième niveau, c'est l'argent. Dans ces clips-là, on va te parler de l'argent. L'argent, c'est bien. Tu peux avoir de belles voitures, tu peux avoir des voitures de luxe et toutes ces histoires. Et le troisième niveau, ce sont les dérivations, toutes sortes de choses mauvaises comme la violence, même l'incitation à la consommation de l'alcool. Ça veut dire que là, quand tu finis d'écouter la musique, là, toi, directement, tu seras amené consciemment ou inconsciemment à faire un truc qui est relatif à ces trois choses-là. Si tu es un gars qui est tranquille dans ton coin, les histoires de femmes ne t'intéressent pas, dès que tu vis derrière ce clip, avec les messages cachés qui sont autour de toi, ça va te pousser à un moment donné à prendre une décision qui est une décision qui n'est pas du tout bonne. Une décision qui a été propulsée par ce que tu as vu dans le clip précédemment. Tu as pensé que c'est de la blague, tu as pensé que c'est de la frime. Mais nous allons te dire. En plus, les danses, leur manière de danser dans les clips, là, leur manière de danser, là, ça a une signification. Quand une fille danse du twerk, toi tu penses à quoi? Dis-moi mon frère, quand une fille danse du twerk, le twerk, si vous ne savez pas, cette danse-là, bon, on va vous la montrer, on va vous montrer cette danse-là tout de suite là-même, ne vous inquiétez pas, vous allez voir les images. Mais le twerk-là, c'est cette danse-là qui se danse avec les fesses, avec les hanches, les gens remuent les hanches, tout ça. Et bizarrement, les caméras sont toujours braquées sur les hanches des femmes qui dansent du twerk. Et c'est pas tout, hein. La plupart du temps, ces femmes qui dansent du twerk doivent être sexy. Et dans les clips aujourd'hui, on voit les femmes sexy. Tout ça, vous allez le voir ici. Tout ce qu'on voit en général dans les clips, vous allez tout voir. Quand toi, tu vois ça, tu penses à quoi? Tu penses directement au sexe. Au sexe. Et ça veut dire que eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Le diable, puisqu'il veut vous amener à penser au sexe, afin que lui, il puisse vous contrôler à cause de la jouissance sexuelle, juste à partir de la jouissance sociale, il puisse vous contrôler, pour bien vous contrôler, il va amener les gens à créer des danses qui se dansent uniquement que avec la hanche ou les hanches. Vous les voyez en train de danser, ce sont les hanches seulement qui remuent. Vous allez voir que eux, les danses là, ça se danse avec le bas ventre, ou bien ça se danse en remuant les fesses, ou bien en remuant le sexe masculin. Même ils vont inventer des démarches
tout ça là dans le du sud de la musique, tout ça dans la musique, il faut inventer de cette démarche où quand tu marches là, à un moment donné, tu attrapes le bas de ton pantalon. Là, c'est quoi tu attrapes en général? C'est ta partie intime. Tout ça fait penser au sexe. Le diable veut que de votre ce soit le sexe, le sexe, le sexe, le sexe. Parce que quand quelqu'un aime le sexe, il est facilement contrôlable par les démons. Et c'est ce que le diable veut faire. Ça veut dire que la musique que tu avais l'habitude d'écouter, ou encore que tu as l'habitude que tu écoutes toujours là, c'est devenu une arme que le diable a utilisée contre toi. Alors, prépare-toi. Tu vas voir toutes les âmes du diable ici. Prépare-toi. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi maintenant pendant que nous préparons le dispositif. Si tu n'as pas encore cliqué sur j'aime, tu peux cliquer sur j'aime pour nous soutenir. C'est gratuit en plus. Et sois prêt parce que ça va être chaud. Que vois-tu à l'écran? On voit ça. Qu'est-ce que c'est? C'est un œil. As-tu déjà vu cet œil quelque part? Mais bien sûr que oui. Regarde-le bien. Cet œil est l'un des. C'est un œil vraiment très connu que ces satanistes utilisent beaucoup. Ils utilisent tellement ça. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Et qu'est-ce que c'est censé signifier? Regarde bien. Ça. On lui a dit, c'est l'œil du diable. En même temps, quand on voit les tirets qui sont ici et là, on peut même dire sans se tromper que ça nous rappelle l'Égypte ancienne. C'est comme si cet œil-là vient de l'Égypte. C'est comme si cette personne qui est là vient de l'Égypte ancienne, c'est-à-dire l'Égypte d'avant, du passé là. Et qu'est-ce que c'était censé signifier? Et pourquoi on utilise ça? C'est un signe que les gens utilisent beaucoup dans la magie. C'est-à-dire que la magie ou encore le satanisme. Et tous ceux qui utilisent ce signe-là sont en train de nous montrer leur appartenance à un groupe de satanistes ou encore d'occultistes. Est-ce que vous comprenez? Là, vous allez comprendre. Et quand on va plus loin, ça devient vraiment visible. Regardez bien. Que ces signes. Que ces signes vous rappellent toujours que le diable est là. Et dès que vous remarquez un tel signe des éclipses, ne vous posez plus de questions. Ne vous posez même plus trop de questions. Le diable est déjà présent là. Regardez bien. C'est assez incroyable. Mais c'est vrai. Ce qui va venir maintenant va vous aider à comprendre certaines choses. Pourquoi est-ce qu'on l'utilise? Les femmes jolies dans les clips, vous allez tout comprendre. Regardez ça. Waouh! Elle est belle aussi, oh! Elle est trop jolie. Oui. On utilise des femmes très belles dans les clips. Juste pour vous rappeler que vous devez les apprécier. Vous devez aimer les femmes. Pas seulement une femme, hein, mais plusieurs femmes. Et des femmes sexy. Et comme vous allez voir dans un clip, qu'on présente une femme juste à côté de l'eau, sachez qu'il y a un démon qui est en train d'être honoré ici. Et c'est une sirène. C'est une sirène qui est en train d'être honorée même et adorée par ces gens qui font ce genre de choses. Et c'est réel. Quelle est la chose qui peut même vous permettre de bien comprendre cette histoire ici? Regardez bien ici. On voit cette fille-là. Elle a attrapé quoi? Ses cheveux. Elle a attrapé ses cheveux. Vous voyez? Les sirènes, elles ont beaucoup de cheveux et elles aiment prendre soin de leur corps. Et regardez là, comment les seins de cette femme sont bien exposés. Dans ce genre de situation, quand ces gens-là font ce genre de clips, ils présentent cette femme, ils présentent les seins et les fesses. Vous allez voir, vous allez comprendre plus tard. Mais allons-y plus loin. Nous allons découvrir encore quelque chose qui va vous étonner. Mes frères et sœurs, vous serez vraiment surpris. Vous allez voir que souvent, dans des concerts, il y a des effets. Il y a des effets comme du feu. Des gens, comme les gens sont jusqu'en plein concert, il y a ça. Regardez ça. On voit le feu qui sort de nulle part. Juste en bas, regardez là. Bouh, bouh. Bouh, le feu sort. Et eux sont en train de chanter. Lui-même, il est là, il est en train de chanter. Voilà qu'elle est ici, qui est ici. Et la foule est sous l'émotion. Pour la foule, ça fait partie du show.
et c'est normal. Mais pendant qu'ils sont échantés là, c'est là, ils vont voir que juste là où le lieu va apparaître une image. Une image, regardez cette image là. Mais qui on voit? On voit une femme. Et on a l'impression que cette femme là, elle est dans le feu. Elle est dans le feu. Mais et quand vous regardez son visage, c'est pas la joie. C'est pas du tout la joie. Et on a l'impression qu'elle est nue. Elle est nue. Voyez-vous? Et son bras a l'air d'être positionné sur sa partie intime. Si vous regardez une célébrité qui chante jusqu'à un moment donné, elle prend sa main et elle commence à faire de ses danses avec sa, en positionner sa main comme ça vers sa partie intime. Une femme qui chante qui fait ça. Vous connaissez, vous avez sans doute déjà vu ça. Faites attention, c'est dangereux. Cette femme qui est là, c'est une femme qui se trouve qui est censée être en enfer et qui est censée représenter toutes les personnes qui vont aimer le sexe à cause de cette histoire. C'est-à-dire qu'ils seront directement connectés aux démons du sexe qui sont en enfer. Et ces démons-là vont les maintenir dans le comportement sexuel mauvais afin de les amener tous en enfer. Juste à partir du sexe, au mariage. Ce qu'on appelle l'impudicité là. À cause de ça. Et ça, les flammes qui sont là pour nous montrer que nous sommes dans un spectacle de l'enfer. Un spectacle de l'enfer. Toi, tu vois, à ce spectacle-là comme ça, on va dire, tu vois, à ce concert-là, tu vas dire que c'est juste pour t'amuser. Mais toi, tu vois le feu, tout ça. C'est quoi? Mon frère, nous allons te dire, ma soeur, nous allons te dire, tu as assisté à un spectacle de l'enfer. C'est comme ça que ça s'appelle. Ça veut dire que si tu vois un clip où tu vois le feu qui sort, c'est que ici, les gens sont en train de nous parler de l'enfer. Et la personne qui est en train de chanter là, si tu continues à suivre cette personne, tu risques de te retrouver là-bas. Tu dois vraiment faire très attention. Tu vas penser que c'est de la blague, c'est de la frime. Mais les choses ne sont plus cachées aujourd'hui. Et les images que nous allons te présenter, ou nous allons vous présenter maintenant, ça va vraiment vous surprendre. Un groupe de musiciens qui chantent. Tout le monde les apprécie. Mais regardez ce qu'ils font. Regardez ça. Ah! Qu'est-ce que c'est? On va approfondir. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez? Tu vas dire, mais waouh, je vois, mais je ne comprends rien. Tu vas dire, je vois, mais je ne comprends rien. Ok. Tu sais pourquoi tu ne comprends pas? C'est parce qu'il y a des messages cachés. Et ces messages-là sont bien cachés, ce qu'on appelle les messages subliminaux. Et ce sont ces messages-là qui apparaissent la plupart du temps de les clips. Si tu as bien suivi ce que nous avons dit à l'introduction, tu as déjà sans doute vu déjà plusieurs signes ici qui montrent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et que le diable est en train d'être adoré par ces gars-là. Regardez bien ici. On reconnaîtra l'arrivée du Seigneur Christ par des signes. Le diable aussi a décidé de se montrer par les signes. Et quand on regarde ce premier gars qui est là, regardez bien sa main. Ça, si vous ne savez pas ce que ça veut dire, ça c'est tout simplement 666. Formé avec la main. La main. Vous avez déjà vu ça quelque part? Absolument. Si vous me dites que vous n'avez pas vu, je vais même vous poser la vraie question encore. Tout le monde représente ça aujourd'hui. Surtout les gens de la musique profane. Même la musique chrétienne, les gens font ça. Regardez bien. Waouh! 666 exécutés comme ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous ceux qui vont représenter ces 666, ils seront tous en train de se mettre au même niveau que le diable. C'est-à-dire qu'ils vont dire que, oh, nous on appartient au diable et c'est tout. C'est un signe d'appartenance à Satan. Parce que 666, c'est pas le chiffre de Dieu. Regardez bien. Si ce n'est pas le chiffre de Dieu, c'est le chiffre de qui? C'est le chiffre du diable. Et ce signe que vous voyez juste là, les deux signes correspondent à la même entité. Là, ils sont en train de représenter un signe qui montre leur appartenance au satanisme.
au satanisme, à la sorcellerie, à l'occultisme. Parce que ce sont des signes qu'ils utilisent juste pour se montrer, se représenter. C'est quand vous jouez dans une équipe et là-bas on s'habille en jaune. Forcément, qu'on va vous reconnaître. On va voir votre maillot, on saura que vous êtes habillé en jaune, alors que c'est vous. Donc, eux, pour se bien se démarquer, ils font des saisons de signes. Mais là, toi, tu ne sais pas. Tu vois ça dans un clip. Comme tu aimes la star, tu vas représenter les mêmes signes. On vous a dit qu'au départ, cette star-là ne connaissait pas tout ça. Mais c'est un moment donné, il a commencé à représenter à tous ces signes-là dans ses nouveaux clips. Ça veut dire que cette star-là est entrée quelque part. Cette star-là est entrée dans un groupe. Dans un groupe où on représente ces signes-là. Juste pour avoir du succès. Parce que en représentant ces signes, les gens rendent gloire à qui? Gloire à Satan. Quand les gens rendent gloire à Lucifer, là, ils font ce signe-là en général. Ça. En général. C'est ce signe-là qu'ils représentent. Le saviez-vous? Le saviez-vous, mes frères et sœurs? Le saviez-vous? C'est réel. Maintenant, toi, si tu regardes un clip et tu vois une femme et tu vois que les gens font de ces choses bizarres, c'est-à-dire ils filment la fille en montrant ça, c'est-à-dire son corps, ses fesses comme ça. Tu montes son corps, montes ses fesses. Mon frère, toi, il ne faut pas aimer la chose. Tu n'es pas censé aimer ça. Tu devrais plutôt dire, ah, c'est pas normal, une fille doit bien s'habiller, une femme n'est pas faite juste pour montrer son corps. On a l'impression que c'est le corps de la femme seulement qu'on montre, comme si on nous appelait à la désirer sexuellement. Oui, c'est ce que ça veut dire. C'est comme, regardez, c'est comme elle te dit, mon frère, regarde-moi, je suis très belle. Et tu sais, je suis tellement belle que toi et moi, on peut faire des choses. Si tu es prêt, viens. Maintenant, si tu n'as pas la capacité de venir vers moi, tu as ma photo. Va te masturber. C'est ce que beaucoup de personnes font. Vous n'imaginez pas ce qui se passe derrière tout ça. Ça veut dire que ça fait que le diable travaille beaucoup derrière ce genre de choses. Il ne va pas s'arrêter là. Il va même aller plus loin. Entre les filles, là, ça va devenir la concurrence. Qui sera la plus sexy que l'autre? Regardez ça. Qui d'entre deux est la plus sexy? Qui d'entre deux est la plus sexy? Elles vont se regarder. Oh, c'est moi qui suis la plus sexy. Toi, tu n'es pas sexy. Moi, je suis sexy. Et regardez comment on voit ces jambes. Comme si ça t'appelait à toi. Viens faire quelque chose avec moi. Ça, c'est quoi? C'est la séduction. Le diable veut te séduire, mon frère. Le diable veut te séduire. Il ne tombe pas dans son piège. Ma soeur, si tu as vu ça, ça te plaît. Tu veux copier, même acheter le même vêtement? On m'a dit que tu vas sera en train d'être maintenant utilisé par qui? Par le diable pour séduire les garçons, les hommes en général. Fais attention. Et Dieu va te demander des comptes pour tout ce que tu es en train de faire. Parce que ce que tu es en train de faire là, c'est mauvais. C'est mauvais. Et à un moment donné, de ces nouveaux clips là, vous allez voir ça. Qu'est-ce que c'est? Regardez bien. Qu'est-ce que c'est? C'est du vin moussé. C'est du vin moussé. Vous n'avez jamais regardé des clips où il y avait des vins moussés comme ça, tout ça, tout ça. Vous n'avez jamais vu ça? Si nous vous présentons ça, c'est parce que dans le clip que nous venons de regarder, on a vu un gars qui danse. D'abord, on montre le gars, un autre gars qui a un verre comme ça. Une bouteille de vin moussé. Il remue et il verse le vin là sur une femme qui soit capturée. Qui représente une âme innocente. Et quand il fait ça sur elle, ça la rend impure. C'est le rôle de cette histoire-là. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que tous ceux qui vont se mettre à consommer ça seront en train de se rendre impurs. Voilà. Et par la suite, il y a un d'entre eux qui donne jusqu'à... Il fait sa main comme ça. Il fait comme ça. Et danse jusqu'à ça, danse, ça fait comme ça. Ça fait comme ça. Ça fait comme ça. Ah, quand toi tu vois ça, ça veut dire quoi? Précédemment, ils t'ont montré ça dans les clips. Et par la suite, il danse et il fait comme ça. Toi, quand tu vas regarder tout de suite, tu vas pas penser que il a été dit va boire. Mais parle à ton esprit.
Ils sont en train de parler à ton esprit, à ton subconscient. Ils parlent à ton esprit. Ils veulent amener ton esprit à faire des choses mauvaises que tu n'as pas prévu faire. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. C'est leur travail. Et si tu vois tout ça, toi, ça ne va pas te plaire. Tu vas voir les voitures. Tu vas voir toutes ces choses. Et tu vas elle-même être étonné. Tu peux dire, ah, tout ça, ce sont des histoires, je ne comprends pas. Vraiment, il y a un soubresaut. Ce que tu dis là, je ne comprends pas. Ma frère et soeur, vous allez comprendre maintenant ce que nous sommes en train de dire avec ce que nous allons vous montrer ici. Regardez ça. Quand vous allez voir ça, vous allez me dire à quoi vous pensez. Regardez bien. Waouh! Mais qu'est-ce que c'est? Regardez vraiment très, 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 très bien. Mais qu'est-ce que c'est? On voit deux personnes, un garçon et une femme, qui sont juste là. Et on a l'impression que les deux sont en train de faire les choses. Oui. On a l'impression qu'ils sont en train de faire les choses. Regardez comment c'est. En même temps, les seins de la femme sont exposés. Vous pensez que c'est un hasard? Et on regardait bien leur visage. Comme s'ils sont même en extase dans la pratique sexuelle. Et ça, ça s'est passé où? Dans un clip. Dans un clip. C'est dans un clip. Oui. Un clip populaire. Ça veut dire que ça, c'est une image qui va frapper ton être, ta conscience, ton esprit. Les enfants vont être frappés comme ça. Boum, quand ça tombe sur toi, dans ton esprit, là-bas, ça frappe ton âme. Boum, une flèche entrée. C'est comme ça les démons attaquent. Et le diable les utilise comme des marionnettes pour lancer des flèches au travers de ça. Eux, leur récompense, on les donne de l'argent. C'est money, l'argent. Mais, regardez, faites attention d'eux. Si vous pensez que c'est une blague, regardez vous-même. Regardez encore. Vous, si on ne vous a pas dit ça, vous avez dit qu'on ne vous a jamais parlé de ça. Et vous allez voir que des danses nouvelles vont être accompagnées et les gens vont se mettre à danser comme ça. Regardez ça. Ah! Qu'est-ce que c'est? Ça m'étonne. C'est ce qu'on appelle cette danse qui se danse par les fesses ou les hanches, là, comme on vous l'a dit à l'introduction. C'est ça. Et qu'est-ce qui est derrière? Ou encore est-ce? Quand une femme se pose comme ça, tu penses à quoi? Tu penses direct au sexe. Si tu ne penses pas à ça, il faut me dire. C'est si toi tu penses direct au sexe comme ça, tu es en train de jouer le jeu du diable. Parce que le diable veut que tu penses à ça. C'est pourquoi il a positionné ici. Et c'est exactement ce que les femmes vont te mettre à faire. C'est le sexe qui est en train d'être évoqué. Où est la différence entre les deux? Regardez bien. Regardez bien. Ouais, la différence, c'est la même chose, mon frère, c'est la même chose, ma soeur. C'est ça le monde dans lequel on est. C'est ça le monde. Et les gens vont plus tard vous pousser à faire de ces choses étranges, abandonner vos valeurs morales pour s'attacher à autre chose. Vous savez que quand une femme décide d'ajouter des mèches à ses vrais cheveux, elle paie la gloire de Dieu en elle. La gloire de Dieu qui est censée être sur toi là. Ou encore en toi là. Tu paies cette gloire là juste parce que toi tu as mis des faux cheveux. Oui, c'est parce qu'à un moment donné, dans ces clips, les gens font la promotion aussi de faux cheveux. On fait la promotion des. Comment ça s'appelle là même? Des faux seins. On amène les gens à faire de la chirurgie esthétique et tout ça. Oui, on dirait tout ça est caché, le même œil, le diable, l'œil du diable. Est-ce que vous l'avez vu? Il est ici. Mais regardez, c'est le même Satan qui est derrière tout ça. Et quand la femme va faire cette coiffure-là, forcément, ça va cacher un œil. Et la fille chrétienne, elle va aller faire ça aussi. Elle ne sait même pas que le diable est derrière ses cheveux, que les sirènes sont en train de travailler contre sa vie. Regardez, comme c'est joli.
Où est ça? C'est beau. Mais le diable est derrière. Ça veut dire que toi, tu regardes cette vidéo, tu dois faire un choix. Tu dois faire un choix. Regardez bien. Regardez ça. C'est ça la musique aujourd'hui. C'est le satanisme pur et simple. L'adoration au diable. Direct. Ah, frère, soeur, il faut même prévenir que guérir. Si tu es prévenu, tu sais ces choses. Commence déjà à regarder ton portable. Où est mon portable là-même? Tu prends ton portable, tu l'allumes. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur qui ne glorifie pas Dieu? Quel genre de musique même moi-même j'écoute? Quel genre de musique j'écoute? Quels sont mes sons préférés? Tout ça. Tu dois fouiller, analyser ta vie pour découvrir ce que tu dois découvrir afin d'avancer. Sinon, si tu t'es trompé pour avoir une musique qui n'est pas de Dieu, ce qui va se passer, c'est que tu vas adorer le diable d'abord pour commencer. Tu vas commencer à accepter les symboles occultes. Tu vas aussi terminer ta chose par commencer à toi-même contaminer les gens de ta maison. C'est à ce moment-là, tu vas commencer à écouter de la musique profane à la maison. Et les démons vont sortir de cette chanson. Parce que vous, ce que vous ne savez pas, on ne vous a pas dit. C'est que quand vous écoutez la musique profane, où il y a des incantations, ou même où il y a tout ce que nous venons de vous montrer là, les démons qui sont reliés au sexe, à la drogue et à l'argent, et tous les démons vont entrer chez vous, vont entrer dans votre vie. Pas pour vous faire du bien, pour vous rendre accro à l'alcool, accro au sexe, accro aux choses de ce monde, et vont vous amener à ne plus aimer Dieu du tout. Et à recevoir, même vous préparer à recevoir la marque 666. Et quand on reçoit la marque 666 sur soi, on ne va plus au ciel. On ne va pas au paradis. En tant que Mira, tu vas être béni, tu aimes le bonheur. Qu'est-ce que tu choisis? Bien qu'au travers de la musique. Si nous avons monté cette vidéo, c'est pour vous dire de faire très attention aujourd'hui. Le diable travaille et nous sommes là aussi pour vous révéler la vraie chose. Abonnez-vous et ne manquez pas la prochaine vidéo. Cliquez sur j'aime pour nous soutenir si ce n'est pas encore fait. Et en cliquant sur Union Soubon, vous aurez accès à notre page d'accueil. Abonnez-vous sur Union Soubon 2, Union Soubon 3. Ce sont deux autres chaînes aussi qui nous appartiennent. Là-bas, vous découvrez des choses qui vont encore vous étonner. Préparez-vous pour la prochaine vidéo ici. Ça va être chaud.